Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires généraux et secrétaires exécutifs, donc les membres de la délégation des partis politiques, je voudrais donc vous souhaiter donc, la bienvenue donc, à cette rencontre. Je vous remercie d'avoir fait massivement donc, le déplacement. Je dis tout l'intérêt que nous portons tous aux questions donc, qui vont être donc, évoquées. Alors, je pense que pour donc, l'introduction, je passerai donc, la parole à M. le ministre de l'administration donc, du territoire. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et groupements politiques, Mesdames et Messieurs, dans exactement 9 mois et 27 jours, les électeurs ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire le président de la République de Côte d'Ivoire. À l'approche de cette échéance cruciale dans la vie de notre nation, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez convié ce jour, en ce lieu, les responsables des différents groupements et partis politiques de notre pays. Pour reprendre le dialogue politique dans sa deuxième phase, ils ont tous répondu à votre appel. Ainsi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les articulations de cette rencontre seront les suivantes. En premier lieu, nous suivrons l'exposé de cadrage de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Suivrons des échanges entre le gouvernement et les représentants des partis politiques, à la fois ceux du parti au pouvoir et ceux de l'opposition, pour définir le cadre, le contenu et le calendrier des discussions à venir. À la fin de ces échanges, qui permettront de dégager un certain nombre de décisions, ce Premier ministre prononcera un mot de clôture pour résumer le contenu de notre rencontre de ce jour. Suivra donc une photo de famille. Sans plus tarder, je voudrais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous passer la parole pour votre adresse. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires fédéraux, secrétaires exécutifs des partis politiques, Mesdames et Messieurs les membres des différentes délégations, avant donc tout propos, il me plaît, en ce début d'année donc 2020, de vous adresser à vous tous et ainsi qu'à vos familles respectives mes vœux sincères de paix, de santé et de prospérité. Mesdames et Messieurs, dans son discours à la Nation, le 31 décembre 2018, le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, dans le souci donc d'aboutir à un consensus, avait instruit le gouvernement d'initier donc un dialogue politique avec l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile. En exécution des dites instructions, j'ai organisé du 24 janvier
au 26 juin 2019, une première phase de dialogue qui a été consacrée prioritairement à la recomposition de l'organe en charge des élections de notre pays, à savoir la commission électorale indépendante. Les résultats de ces travaux ont servi de base à la loi numéro 2019-708 portant recomposition de la commission électorale indépendante promulguée par le président de la République le 5 août 2019. Ainsi, avec la prise de fonction des nouveaux membres de cette institution, une étape cruciale du processus devant aboutir à l'organisation des élections a été franchie. Je voudrais ici saluer l'ensemble des parties prenantes de ce dialogue ouvert et inclusif ayant permis d'atteindre ces résultats reconnus donc par tous. Mesdames et messieurs, nous amorçons aujourd'hui une nouvelle phase de ce dialogue suite aux instructions données également par le président de la République lors de son message à la nation le 31 décembre 2019. Et cette deuxième phase sera donc consacrée à la finalisation des travaux relatifs au code électoral. Nous abordons cette nouvelle phase dans le même esprit d'ouverture et de dialogue constructif pour la définition des règles devant régir l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Cette première séance plénière sera consacrée à l'adoption des modes opératoires, des contraintes de calendrier et le contexte institutionnel d'une CEI exerçant pleinement sa mission sont deux éléments qui doivent nous orienter. En effet, il s'agira pour nous de ne pas empiéter sur les prérogatives de la CEI et de ne pas non plus, à la longueur du temps du dialogue, perturber le calendrier électoral encadré par les dispositions constitutionnelles dont le respect s'impose donc à tous. À cet égard, il me semble indiqué de nous appesantir sur les principaux sujets à aborder, objet donc de préoccupation des partis et groupements politiques et qui sont relatifs au code électoral. Concernant le mode opératoire, l'expérience enrichissante de la première phase du dialogue politique nous incite à poursuivre avec la même méthodologie. Ainsi, nous préconisons la mise en place de comités restreints, cadres de discussion approfondis entre les différents acteurs politiques et de la société civile sous la supervision du gouvernement, suivi de l'institution en séance plénière. Pour tenir compte de la contrainte du calendrier évoquée plus haut, nous vous proposons que 4 séances de comité restreint soient envisagées au total, dont 2 avec les représentants des partis et groupements politiques et 2 avec les représentants de la société civile. Les travaux des comités restreints, nous vous proposons également que ces travaux puissent se tenir pour s'achever au plus tard, à la fin du mois donc de janvier, au 30 janvier donc 2020, afin de permettre la tenue de la séance conjointe de validation du rapport final et la signature donc de celui-ci au cours de la première semaine du mois de février 2020, au plus tard. Mesdames et messieurs, le règlement de la question de la recomposition de la CEI, la reprise ce jour du dialogue politique avec les partis et groupements politiques, est une confirmation de plus de l'engagement ferme du chef de l'État et du gouvernement à tout mettre en œuvre pour créer un environnement favorable à des élections apaisées dans notre pays. Il appartient à chacun des acteurs ciblés
y participer activement, sans passion, dans un esprit d'ouverture, par des propositions donc constructives. Au regard de ce que nous avons déjà accompli ensemble, je ne doute pas un seul instant que nous saurons nous montrer à la hauteur des défis et des enjeux liés à ces élections. Bon travail à tous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, le protocole prévoit que nous demandions à la presse de bien vouloir se retirer et nous vous ferons appel dès que nécessaire. D'accord. Tout à fait.